C'est parti. L'information qui nous a été communiquée en décembre dernier, qui a été reconfirmée hier, le youtubeur quotidien TF1, producteur de vidéos, mettant en scène des Legos, s'arrête le 1er juillet prochain. Il reprend également les émissions TV, surtout ceux de la chaîne Canal+, comme Le Grand Journal. Au départ, il s'appelait LGJ Lego Canal. Depuis septembre dernier, il s'appelle Quotidien TF1, référence à la nouvelle émission de Yann Barthès. S'il a voulu s'arrêter, c'est une décision de lui et de sa copine. Voici sa réaction. Je trouve ça dommage d'arrêter là, surtout le succès de l'émission avec toutes les personnes qui travaillent avec moi. Il remercie également tous les producteurs, dont des youtubeurs qui l'ont aidé, dont Eddy Logo, qui est également le producteur de cette vidéo, annonçant l'arrêt de la chaîne en question. C'est émouvant d'apprendre que la chaîne d'un youtubeur s'arrête du jour au lendemain. C'est parce que ça me rappelle l'arrêt d'émission d'une part ailleurs. J'adorais cette émission, donc ça me rappelle des souvenirs. Mais ça me donne quand même du peps pour continuer mes vidéos. C'est la mais bon, il reste 179 jours. Profitez-en pour vous abonner à sa chaîne et regarder ses dernières vidéos. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée avec Nicolas. À demain, au Grand Journal. Cela fait presque deux mois qu'on n'a plus de nouvelles des deux fugitifs Edgar Brassier et Jacques Vitreuil. Où sont-ils cachés? Est-ce que Edgar Brassier a éliminé Jacques Vitreuil? C'est la question que se pose la famille de celui-ci. Il a disparu. C'est pas normal qu'il ait disparu comme ça. L'enquête est toujours en train de progresser, mais aucune piste n'est privilégiée. Toute l'actualité du 6 minutes sur m6.fr et au 08 92 68 16 16.